Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous saluons dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fidèles téléspectateurs, vous qui avez pris la résolution d'écouter la parole de Dieu, soyez encore bénis, soyez encore remplis de l'onction du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Si toi, je dis toi parce que toi et moi on a l'habitude d'échanger au travers l'émission de Top Évangile. Mais je dis vous, pour vous qui n'avez pas l'habitude de nous suivre, vous avez pris la bonne décision, celle de ne pas zapper, celle d'écouter un temps soit peu, ce que le Seigneur veut nous dire au travers ces moments, pour toucher votre cœur, pour que la parole, une fois, elle l'a envoyée, qu'elle guérisse votre cœur. Parce que bien-aimé, quand tu n'as pas Jésus, le cœur est malade. Oui, nous vous parlons de Jésus. Nous vous parlons du lion de la tribu de Juda. Nous vous parlons de cet ami fidèle qui changera le cours de votre vie si et seulement si vous acceptez d'ouvrir votre cœur. Et le thème, c'est « Dieu veut que tu pries ». Et je vous le disais tout à l'heure que ce sera débattu. Le thème sera animé par notre papa, le révérend pasteur Alain Gomang. Je me retrouve. Shalom, papa. Shalom, servante de Dieu. Papa, je vous passe la parole. Alléluia. Nous allons ensemble prier. Père céleste, Dieu de gloire, sois élevé, sois exalté du haut de ton trône. Merci pour la vertu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, assis à ta droite, où il prie le jour comme la nuit pour nous. Nous te disons gloire et nous te présentons ces moments. Nous te présentons cette famille, nous te présentons cette maison, nous te présentons cet environnement, nous te présentons notre nation. Nous te présentons, Seigneur, ton peuple, où qu'il se trouve à travers le monde. Nous te disons merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Il t'a plu de faire de nous tes instruments. Toi-même, en déployant sur nous la capacité qui vient de toi, revêt-nous maintenant de ton manteau de service. Revêt-nous maintenant de la capacité que donne le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, telle que toute la gloire te revienne. Et nous voudrions maintenant que l'onction de prière habite cette maison, que l'onction, l'esprit de la prière descende sur cette famille, sur quiconque se trouve maintenant dans ta présence à travers cette émission. Merci Saint-Esprit, parce que maintenant tu environnes cette maison, cette famille, tu environnes le cadre où se trouve mon frère, ma sœur, le cadre où tu le visites à travers cette communication. Alléluia. Père céleste, ouvre ton ciel maintenant. Ouvre ton ciel maintenant. Que l'atmosphère de ces lieux change. L'atmosphère de cette maison change. Alléluia. Oui, Seigneur. Comme ce jour où tu étais avec Jacques, Jean. Oui, Seigneur, avec tes disciples, et où ils t'ont vu couvert par la nuée, t'entretenant avec Moïse et Élie,
Alléluia. Oui, Seigneur, que cette atmosphère descende sur cette famille, sur cette maison, pour une audience céleste, Yahweh. Alléluia. Couvre ces lieux de la nuée de ta présence. Merci de ce que le cadre où chacun te reçoit maintenant a changé d'aspect parce que des myriades d'anges investissent ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Loué sois-tu pour les autorités de notre nation qui laissent libre cours à l'expression de la foi vivante en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Rédempteur, car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et Jésus-Christ. Béni es-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis les responsables de cette station. Bénis les techniciens. Bénis pour tous ceux-là qui sont impliqués pour que l'évangile soit communiqué à travers les voies d'onde. Oh oui, Seigneur, nous te disons gloire. Maintenant que tu es là, Seigneur, là où tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Là où règne ton esprit, Dieu de gloire, là il y a la liberté. Nous voudrions maintenant vivre cette liberté pour faire cette communication. Alléluia. Je vais demander à la servante de Dieu de faire lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il est écrit ce qui suit. Priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. Vous vous en doutez, bien-aimés. Vous avez constaté que circonstanciellement, nous avons changé de cadre. Le sujet est sensible, très délicat, mais plus encore, vital. Vital pour nos âmes. Vital par rapport au combat dans lequel nous sommes engagés. Nous savons que la parole de Dieu déclare ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Les médias nous parlent de la persécution des chrétiens dans le monde. Les médias montrent combien les temps deviennent difficiles, tel que annoncé par la parole de Dieu, tel qu'annoncé par les Écritures. Dieu veut que tu pries. Amen. Mon frère, ma sœur, que tu partes à l'église ou non, tu as besoin de prier. Amen. Oui, tu as besoin de prier. Et je voudrais te dire, Dieu veut t'entendre. Il te connaît. Même si toi tu ne le connais pas, lui il te connaît. Aujourd'hui il n'y a plus d'excuses pour dire que je ne sais pas, mais Dieu est où? La télévision, la radio, les réseaux sociaux, la technologie est telle qu'aujourd'hui, plus personne ne peut trouver d'excuses pour justifier son incrédulité, pour justifier son ignorance de la parole de Dieu, ou pour croupir dans la souffrance, sans savoir vers qui prier. Il y en a qui sont abandonnés des parents.
Il y en a qui sont rejetés par la famille, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Amen. Dieu veut que tu pries. Amen. Oh, il y a plusieurs circonstances qui peuvent nous amener à la prière. Et encore que la parole de Dieu que nous venions de lire nous dit, priez sans cesse. Amen. Priez en permanence. Alléluia. Priez, c'est entrer dans l'univers de Dieu. Priez, mais c'est se retirer de la diversion, de la distraction, de ce monde bruyant, de ce monde de chaos, là où c'est la guerre de tous contre tous, la lutte de tous contre tous. C'est le règne du chacun pour soi, le règne de l'égoïsme. Mais il y a une personne qui se préoccupe de tes intérêts et qui est là pour défendre ta cause. Alléluia. C'est le Seigneur, oui, c'est le Créateur. Amen. C'est lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, révélé humainement en Jésus-Christ. Alléluia. Il te dit, prie mon fils, oui, prie ma fille, Alléluia. Prie mon serviteur, prie ma servante, mon enfant, prie. Toi qui es malade, prie. Toi qui es dans la joie, prie. Amen. Prie pour rendre grâce. Amen. Prie pour le glorifier. Prie. Parce que tu l'aimes. Amen. Prie. Es-tu perdu? Prie. Dieu veut que tu pries. Amen. Es-tu oppressé? Mm-hmm. Es-tu en proie aux forces de la sorcellerie? Mm-hmm. Aux forces du vampire? Aux forces du vampire? Aux forces de la magie? As-tu contracté une alliance maléfique que tu ne peux plus honorer? Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Alléluia. Tourne-toi vers le Créateur. Oh, yes. Il est le Dieu de compassion. Amen. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est une recommandation du Dieu Sauveur révélé en Jésus-Christ. Oh, Jésus. Les jours sont mauvais. Aujourd'hui, les enfants n'écoutent plus les parents. Aujourd'hui, les parents concurrencent les enfants. Les enfants voudraient prématurément remplacer les parents. Oh, y en a qui sont en train de courir après la richesse. D'autres après la puissance. D'autres courent après la célébrité. Mais sans savoir, sans mesurer le prix que cela coûte. Mm-hmm. Alléluia. Pour toi, mon frère, il y a un qui a payé le prix et qui a dit tout est accompli. Amen. Mais je voudrais qu'avec moi nous puissions suivre cette lecture. Nous sommes dans l'évangile selon Marc au chapitre 14. Nous lisons le verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Amen. Amen. Dans la version 8 secondes, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Nous sommes là au chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. Mais nous allons également revenir à un chapitre en arrière, c'est-à-dire le chapitre 13, toujours du livre de Marc. Et là, nous allons lire depuis le verset 33 et nous lirons jusqu'au verset 37. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 13. À partir du verset 33, faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra.
verset 34. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Verset 35. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Amen. Amen. Et je vais refaire la lecture pour une meilleure compréhension. Quand je refais la lecture, c'est-à-dire, je prends une autre version. Amen. Qui parle de la même chose, mais avec d'autres mots, d'autres termes, parfois en utilisant les mêmes mots, les mêmes expressions. Amen. Si je revenais au verset 32, il est écrit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Personne ne sait quand sera le dernier jour. Amen. Le jour du retour de Yeshua. Alléluia. La Bible dit au verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Verset 35. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Amen. Alléluia. Veillez. Oh, yes. Famille, Dieu te dit veille. Amen. Que tu t'appelles, que tu te considères comme tribu, comme clan, veille. Amen. Que tu sois une communauté, veille. Que tu sois une communauté religieuse, une communauté de croyance, Dieu te dit veille. Es-tu resté longtemps sans rechercher la face de Dieu? Il a dit, fais attention, veille. Veiller, ça veut dire on évite d'être assoupi. On évite de se laisser prendre au piège du sommeil. Amen. Au risque d'oublier, au risque de perdre ce que nous avons de précieux, parce qu'un voleur peut passer par là et nous le ravir. Le maître de la maison de Dieu qui est ton corps, le maître de la maison de Dieu qui est ta vie, il te dit veille. Amen. Il te dit attention, sois modéré. Oh, yes. Sois raisonnable. Ne te laisse pas prendre par la folie des plaisirs. Ne te laisse pas perdre par la diversion, par les loisirs. Les temps sont difficiles. A-t-on besoin d'évoquer le contexte actuel?
que ce soit dans les nations riches, les nations puissantes, les nations pauvres, les nations faibles, mais voilà un contexte qui n'a de respect pour personne à part Dieu. Un contexte qui n'a de respect pour quelque statut que ce soit, peu importe ton statut. Mais les présidents en ont été affectés. Le président de la nation la plus puissante a été atteint du COVID-19. Les pauvres sont atteints du COVID-19. Des puissants sont atteints du COVID-19. Que tu sois vampireux, magicien, je ne sais pas de quel bord, de quelle secte, initié ou pas initié, mais ça c'est ton choix. COVID-19 ne connaît pas les initiations. COVID-19, il connaît Dieu. Il obéit aux instructions de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Satan, tu m'as demandé que tu veux porter atteinte à Job, d'accord, mais je te donne une limite. Amen. COVID-19 a des limites qu'il ne peut pas franchir. Alléluia. Et Dieu te dit, prie. Amen. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Tu ne sais à quel moment Dieu voudra récupérer ce qui est à lui, son souffle. Amen. Son souffle. Dieu te dit, tu as besoin de prier. Amen. Nous sommes dans un monde où règne la tentation sous plusieurs visages. Le décor que nous vous présentons, c'est pour vous interpeller. Alléluia. Nous n'avons pas voulu montrer ni la devanture, ni vous donner une indication extérieure, mais nous avons choisi le décor intérieur qui doit pouvoir vous interpeller pour vous dire dans quel lieu nous nous trouvons et pourquoi ce lieu. Nous avons choisi le cadre du temple. Amen. Communément appelée église. Alléluia. Parce que n'y a pas d'autre évocation lorsqu'on voit une église si ce n'est de penser à la prière. Amen. C'est un lieu de prière. C'est un lieu de communication avec Dieu. Amen. C'est un lieu d'intimité avec le Seigneur. C'est un lieu de communion avec Alléluia. Dieu. Et pour vous dire, votre maison doit ressembler à ce lieu, un lieu de prière. Amen. Prier pourquoi? Ce n'est pas toujours pour demander. Prier, c'est aussi pour bénir le Seigneur. Amen. C'est pour lui être reconnaissant, c'est pour lui dire notre joie pour la vie qu'il nous donne. La prière, nous venons de l'entendre. Dieu, lorsque nous entrons dans la prière, Dieu renouvelle en nous sa présence. Alléluia. Alors que là où vous vous trouvez, oh, sois régénéré, mon frère. Alléluia. Sois régénéré, ma soeur. Au nom de Jésus. Le véritable temple, c'est ton corps. Amen. C'est ton corps. Dieu veut que tu pries. Oh yes. Dieu veut que tu pries. Ne sors pas de ta maison sans prier. Ne termine pas ta journée sans prier. Alléluia. Il dit le cœur est bien disposé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. As-tu un rendez-vous? Tu ne sais pas qui t'attend et Dieu te dit avant d'aller au rendez-vous, avant de recevoir ton rendez-vous, prie. Amen. Nous avons besoin peut-être de pousser un peu plus loin pour lire le passage de 1 Pierre au chapitre 5, les versets 8 et 9.
Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Verset 9. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. Amen. Nous avons compris les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes en guerre. Oh yes. Une guerre là où nous voulons nous être en équilibre, alors que face à nous, il y a un adversaire qui veut nous déséquilibrer et nous sortir du cadre de l'obéissance à la parole de Dieu, du cadre de la communion avec Dieu, du cadre de la marche dans la foi. Et la Bible vient de nous interpeller. Nous ne pouvons pas veiller si ce n'est en demeurant dans la parole. Oh yes. La parole qui nous a été révélée et à laquelle on croit. Ils disent, le moyen le plus sûr de résister au diable, c'est d'être dans la foi. Amen. As-tu la foi? Prie. Crois-tu au Seigneur Jésus? Prie. As-tu un problème? Prie. Y a-t-il un défi que tu dois relever? Prie. As-tu une difficulté, mon frère? Ma sœur, prie. Peut-être qu'il ne te manque rien. Tu es certainement dans l'abondance. Prie. Parce que c'est un don de Dieu. Il y en a chez qui il a suffi d'un souffle pour qu'il perde tout. Et nous voudrions nous poser la question, qui doit prier? L'indication que nous donne la parole de Dieu dans cette dernière lecture de 1 Pierre au chapitre 5, le verset 9, résister au diable par une foi ferme. Amen. Qui doit prier? Nous allons rapidement prendre le passage de Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Celui qui doit prier, celui qui doit s'approcher de Dieu, je disais, prier. C'est entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est parler avec Dieu. Alléluia. C'est communiquer avec Dieu. Oui, Seigneur. Nous lui parlons, il nous parle. Amen. Nous l'écoutons, il nous écoute. Le prophète Esaïe pouvait dire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Y a-t-il quelque chose que tu demandes à Dieu? C'est à toi de te justifier. Il a dit, on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche, trouve. Malheureusement, il nous arrive d'oublier que c'est parfois un processus qui demande de l'endurance. Parce que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous ne prenons pas soin de nous examiner, alors que c'est un Dieu saint. Amen. Il est bon et compatissant, oui,
miséricordieux, oui, mais c'est un Dieu saint. Ça veut dire qu'il ne tolère pas le péché. Alléluia. Tu crois que Dieu existe? Oui. Tu lui fais confiance? Oui. Alors, si tu lui fais confiance, tu peux prier. Alléluia. Parce que la réponse viendra. Tôt ou tard, la réponse viendra. Et c'est pour ça qu'il est dit, il faut d'abord croire que Dieu existe avant de t'approcher de lui. Alléluia. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Comment chercher Dieu? C'est dans sa parole. Amen. C'est dans la prière. Amen. Oui, mais en écoutant la voix de Dieu, à travers la prédication, à travers la lecture de la Bible, la lecture de sa parole, à travers la communication que le Saint-Esprit peut te faire. Il est dit que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Mon frère, ma sœur, qui doit prier? Nous allons encore avoir un élément de réponse. Et là, nous partons dans l'épître de Jacques. Nous allons lire au chapitre 5. Nous allons partir du verset 14 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Je voudrais que tu prêtes vraiment attention à cette lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 5. À partir du verset 14, il est écrit ce qui suit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Verset 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Amen. Amen. Comme tout à l'heure, je veux vous refaire la lecture dans la version 8 secondes. Et permettez que je revienne à partir du verset 13. Jacques chapitre 5. Nous avons lu du verset 14 au verset 18. Je vais relire à partir du verset 13. Il y a un élément important que Dieu voudrait que l'on rappelle. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Vous qui nous écoutez, la parole de Dieu interroge. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Je voudrais d'abord m'arrêter là. Peut-être que tu ne souffres pas physiquement. Peut-être que moralement tu souffres. Peut-être que spirituellement tu souffres. Peut-être que psychologiquement tu souffres. Peut-être même que physiologiquement tu souffres. En ce contexte de rentrée, malgré les semaines qui commencent à s'enchaîner, alors que nous sommes encore au tout début d'année, il y en a qui n'ont pas encore trouvé de l'équilibre. Il y a des enfants qui ne sont pas encore
aller à l'école et les parents en souffrent parce que on n'a pas encore trouvé une place, on n'a pas encore pourvu aux fournitures scolaires. Et il y a plusieurs situations. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? On souffre parce qu'on a un parent qui est malade et dont on n'arrive pas à prendre soin. Pas par manque de volonté, mais par manque de moyens. Ça fait souffrir cet homme dont la femme est malade, cette femme dont le mari est malade, cette femme ou cet homme dont l'enfant est malade. Ils ne savent vers quel saint se tourner, mais il y a quelqu'un que tu ne vois pas, mon frère, il y a quelqu'un que tu ne vois pas, ma soeur, il y a quelqu'un dont tu sembles ignorer la voix, mais qui est là tout près de toi. C'est le Dieu vivant. À travers son esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Pour la gloire de son Fils. Oh. Parce que Jésus a dit, quand viendra le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, oh, il vient du Père, et au nom du Fils. Es-tu dans la souffrance, mon frère? Peut-être ce responsable religieux. C'est peut-être ce responsable de service. Ce chef d'entreprise qui ne sait pas comment rémunérer ses salariés. Vous ne m'en voudrez pas de vous rappeler continuellement, chers opérateurs, vous avez besoin de faire alliance avec Dieu. Parce qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il n'a pas encore réussi à se débarrasser de la rémunération de ses employés, il est souffrant comme un père qui n'arrive pas à prendre soin de sa famille, qui ne sait pas qu'est-ce que ses enfants vont manger le soir ou demain. Mais il y a un, il y a quelqu'un qu'on appelle le pourvoyeur Jéhovah Jireh. C'est le Dieu d'Abraham. Il donne vie à ce qui est mort et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existent déjà. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Je voudrais lui rendre gloire. Il y a eu des jours où vous nous avez vus sur ce plateau et où vous pouviez constater qu'à des moments, celui-ci ou celle-là n'est peut-être pas dans son assiette, mais c'est le même Dieu qui nous restaure. Alléluia. Et qui nous redonne la vigueur. Oh, yes. Que nous pouvons manifester sur le plateau. C'est lui qui nous donne le zèle. Alléluia. La force. Et nous prions qu'il vous communique Jesus. Cette force. Nous prions que l'esprit de prière vous habite pour qu'à votre tour, vous puissiez vous retourner vers le Seigneur. Vous puissiez faire appel à lui. Alléluia. Que votre maison reflète l'atmosphère qui se trouve en ces lieux. Une atmosphère de prière, de présence de Dieu. Je continue la lecture, bien-aimé. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Dieu veut que tu pries. Amen. Certainement tu te sens faible dans ta prière. Certainement que tu es malade. Tu peux prier indirectement. Alléluia. Tu peux prier en te faisant remorquer. Tu peux prier à travers une greffe. Là, Dieu me permet d'inventer une expression. Une greffe de prière, ça veut dire appelle les anciens qui doivent prier pour toi parce que toi-même tu n'es plus en capacité de prier. Une greffe de foi, une greffe d'onction. Et apparie-toi avec l'ancien de l'église, avec ton conducteur, avec une sœur en Christ, un frère mature
dans la foi et qui connaît la clé de la communion avec Dieu. Il dit que les anciens prient pour lui en lui faisant l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Gloire au Seigneur. Le verset 15 dit que lorsqu'on prie, ce n'est pas celui qui a prié qui fait le miracle, mais c'est le Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Lui qui est la parole faite chair, et nous savons que la parole est Dieu lui-même. Alléluia. Le Seigneur va le relever. Mmh. Oh mon frère, ma soeur, peut-être que là où tu te trouves, tu dis, oh, homme de Dieu, si tu peux prier pour moi, je serai exaucé. Alors si tu crois, je prie que le Seigneur te relève. Je prie que tu retrouves force. Je prie que tes membres se raffermissent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ton miracle. Reçois ta grâce. Reçois la faveur de Dieu là où tu te trouves. Et tu dis simplement amen. Tu dis simplement je crois. Et à ton tour, prie pour que l'atmosphère de prière se répande dans ta maison et dans ta famille. La parole de Dieu poursuit. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Dieu va faire le miracle. Mais on nous indique que quelque chose peut faire obstacle à la puissance de la prière, à l'efficacité de la prière. Le péché. C'est pour cela, si tu n'as pas appelé un ancien, un responsable, un encadreur, même si c'est toi-même qui prie, on te rappelle que s'il y a le péché peut faire obstacle à ta prière. Alléluia. C'est vrai, nous sommes exaucés par grâce, pas parce que nous sommes justes, pas parce que nous sommes parfaits, mais Dieu dit, s'il y a un péché dont tu te rappelles dans ton esprit, un péché que Dieu révèle pendant que tu es en train de prier, humilie-toi. Alléluia. Humilie-toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller au terme de ces moments. La parole de Dieu nous donne un exemple de prière. On nous parle d'Élie. Il a vécu des déboires. Il a vécu une vie toute naturelle. Quoique serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, il a affronté des défis comme nous. Et la Bible dit, il a prié. Et on précise, avec instance, il a dû insister. Il a mis tout son cœur, toute sa volonté, tout son être dans le sujet de sa prière. Comment fais-tu quand tu pries? Comment fais-tu quand tu pries pour la nation? Comment fais-tu quand tu pries pour ta maison, pour ton époux, pour ton épouse, peut-être pour ta fiancée, pour ton fiancé, peut-être pour tes enfants? On nous a parlé de Job qui priait chaque jour et qui sanctifiait ses enfants dans la prière. La Bible ne dit pas qu'il ne l'a fait qu'une seule fois, mais il le faisait tous les jours. Ai-je encore besoin de te dire, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier pour la nation. N'arrête pas de prier pour l'église. N'arrête pas de prier pour ta maison. N'arrête pas de prier pour tes enfants. Même si tu es du milieu d'une famille sorcellaire, au degré de sorcellerie reconnu dans le Gabon, quand tu vas invoquer le Dieu de gloire, il va disqualifier l'esprit de la sorcellerie, l'esprit du vampire. Amen. Même si on a amené tes photos au cimetière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que le sang de Jésus
annule ce qui est fait contre ta vie et sur la base de des traces de ta vie physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les tombeaux s'ouvrent et libèrent ta vie qui a été emmenée en ces lieux. As-tu été piégé dans ton lieu de travail? Tourne-toi vers le Seigneur et reçois que l'onction de la présence de Dieu t'habite. Et je voudrais te dire, lève-toi promptement dans la prière, lève-toi dans la foi. Comme Pierre, Pierre était en prison, il était tout seul, lié de chaînes. Mais quand l'ange a surgi, comme cette prière surgit dans ta vie, ces temps de prière, pendant que nous prêchons, nous prions pour toi, nous te disons, tourne-toi vers le Seigneur Jésus, crois. Est-ce que tu crois? Voici le règne du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur des captifs. Que tes chaînes tombent. Au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Alléluia. Élie a prié avec insistance. La pluie avait disparu pendant 3 ans et demi. La Bible dit, après les 3 ans et demi, la sécheresse battait son plein. Il y avait la famine partout désormais. Il a encore dû prier. Alléluia. Et nous pouvons nous rappeler cet épisode où il se retrouve avec le roi Akab et avec son serviteur. Il lui dit, monte, qu'est-ce que tu vois au loin? Je ne vois rien. Et la Bible dit, il va encore prier. Alléluia. Certainement, il a changé de position. Alléluia. Il a changé de manière de prier. Yes. Il a encore prié. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois au loin? Alléluia. Il dit, je ne vois rien. Jusqu'à la 7e fois, je ne sais pas pendant combien de fois, depuis combien de temps tu pries pour le même sujet. La Bible dit, priez sans cesse. Sans cesse. Je prie que la foi ne disparaisse point, que ta foi ne se relâche point là où tu te trouves. Même si ça fait longtemps qu'on t'a bilongoté, même si ça fait longtemps que tu es tombé sous le piège de la malédiction familiale, de la malédiction ancestrale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame le sang de Jésus sur ta vie et tu reçois la liberté au nom de Jésus. Oh, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur en faveur du Gabon. Seigneur, nous prions que le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu soit dans les hôpitaux, dans les structures de santé, dans les établissements scolaires, supérieurs, même au pré-primaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous venons lier l'esprit de la contagion au Covid. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous proclamons le sang de l'agneau de Dieu sur le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, infirmières, sages-femmes, oui, le personnel technique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brancardiers, nous plongeons tout ce personnel dans le sang de l'agneau. Alléluia. Père de gloire, tu veux que ton peuple prie. Seigneur, je prie. Alléluia. Que cet homme revive dans la prière. Amen. Oh Seigneur, que ceux qui sont dans les salles de réanimation, oh Seigneur, que celui qui reçoit ces temps de prière, oui Seigneur, comme tu l'as fait avec Abraham au sujet de Lot, oh oui Seigneur, tu as entendu la prière d'Abraham au sujet de Lot. Entends la prière de cet homme, de cette femme, peut-être de cet enfant dont le parent est en réanimation à cause de la COVID ou d'une autre maladie, à cause du cancer, peut-être du VIH-Sida, je ne sais pas quelle maladie, peut-être une infection pulmonaire. Nous proclamons le sang de l'agneau, le sang de la miséricorde. Oh Dieu de gloire et compassion, manifeste ta grâce. Je te dis merci pour cet homme ou pour cette femme qui dit amen en te présentant son parent, en te présentant sa maison. Oh Dieu de gloire, loué sois-tu. Nous n'avons plus le temps. On aurait pu lire Luc 18 du verset 10 au verset 14 où on nous parle de la parabole du pharisien et du publicain, que ta prière ne ressemble pas à la prière du pharisien qui croyait être juste, qui se comparait aux autres quand il priait.
quand tu pries, mon frère, prie pour toi-même. Prie humblement. Si tu pries en faveur de quelqu'un, ne pense pas que c'est toi qui fais le miracle. Le miracle est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit pour la gloire de son Fils Jésus. Il a dit, Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Oui, Seigneur, exauce, exauce, afin que ton peuple te rende gloire. Amen. Parce que c'est toi l'auteur du miracle. Oh, yes. C'est toi seul qui exauce les prières. Amen. Nous te supplions, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci. Nous n'avons aucune capacité. Nous ne sommes d'aucun mérite. Alléluia. Père, voici également ces chefs d'établissement qui ne savent comment faire avec de nombreux besoins en ce début d'année, avec des salles à effectif pléthorique, alors que les salles sont restreintes, peut-être manquant du matériel de travail. Comprenez à tout Seigneur, tout honneur, mais je prie également pour ce chef de l'administration, pour ce responsable d'entreprise, pour ce chef de famille, ce chef de quartier, dont le quartier est en proie au banditisme, au braquage. Nous bénissons le Seigneur. Le braquage est en train de perdre son ampleur dans notre cité, dans notre ville. Ah Seigneur, nous prions. Nous prions pour cette jeunesse en proie aux stupéfiants. Ah Seigneur, que ce soit du kobolo, que ce soit du tabac, peu importe du chanvre, nous prions que cela soit sans effet dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus. Et nous prions pour ces pères, ces mères de famille, en proie à l'alcoolisme. Ah Seigneur, quelle que soit la quantité de bière, de vin, incurgité, que cela demeure désormais sans effet et que cela, ô Seigneur, soit sans goût dans leur bouche jusqu'à ce qu'ils abandonnent et te rendent gloire. Oui, Seigneur, c'est possible et nous le croyons, tu es le libérateur des captifs. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous pouvons terminer ce moment en te présentant ces hommes, ces femmes qui dans les entreprises, qui dans les administrations sont forcés à être cooptés, oui, à faire partie des sectes pernicieuses. Seigneur, remplis-les de feu, que ton feu les habite, que ton feu les habite, au nom de Jésus, toi qui fais de tes serviteurs et de tes servants des flammes de feu, que tous les agents recruteurs sentent ton feu et reculent de même. Oui, Seigneur, je prie que là où se trouve un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, quel que soit celui qui entre dans son bureau, qu'il reçoive le feu de ta présence. Oui, Seigneur, pas un feu pour le consumer, mais un feu qui le fera tourner vers toi afin qu'il reçoive à son tour le salut. Et glorifie ton nom au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais demander à la servante de Dieu de rendre grâce, de prier pour ton cœur, afin que l'esprit de prière t'habite. Ne termine pas ce mois de décembre sans mener une vie de prière. Oui, ne traverse pas cette année sans mener une vie de prière. Tu pries pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour le corps de Christ au Gabon, pour la nation entière, tu dois prier. Alléluia. Metolo wenda mitarabana. Metolo wenda mitarabana. Metolo we o dudu ma santi e e metolo we. Mekusa wenda mitarabana. Mekusa wenda mitarabana. Mekusa we o dudu ma santi e e mekusa we. Melina wenda mitarabana. Melina wenda mitarabana. Melina we, o dudu ma santi, Melina we. Je vais tout simplement crier à Dieu. Crier à Dieu, le Père des enfants. Notre Père à nous tous.
Le Père de ceux-là qui lui ont donné son cœur, ceux qui lui ont donné sa vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui nous veut du bien. Tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es le Père qui veut que l'on prie. Ah, Seigneur, parfois nous ne savons pas prier. Seigneur, je te recommande, Seigneur, ces personnes qui ont pourtant plein de choses à dire, mais qui ne peuvent pas ouvrir la bouche. Mais Seigneur, il est écrit que toi, tu donnes de la vigueur au cœur, à ceux qui ont le cœur opprimé. Seigneur, tu donnes la force à ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est pour cela que je te présente cette femme. Cette femme qui a un cœur, ô Dieu de gloire, désemparé, qui ne sait pas quoi dire, ô Dieu. Seigneur, je te recommande, Père éternel, c'est cet homme de famille, ce chef de famille qui ne te connaît même pas, Seigneur, mais qui ne sait pas, ô Dieu de gloire, quoi faire. Ah, Seigneur, je te présente ce cœur égaré. Je te présente cette jeunesse qui s'est éloignée de toi, ô Dieu. Ô Seigneur, je te présente, Père éternel, tous ces cœurs qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, tu dis que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Père, tu te laisses également trouver par ceux qui ne te cherchent pas. Ô Dieu, ah Seigneur, regarde. Ah Seigneur, regarde à cette famille qui s'est éloignée davantage. Seigneur, par, ô Dieu de gloire, des rites traditionnels. Ô Seigneur, par des us, ô Dieu de gloire, qui n'ont rien à voir avec toi, Seigneur. Ah Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi, je pleure pour eux devant toi. Ah Seigneur, interviens. Ah Seigneur, interviens. Ah Seigneur, interviens par ton Esprit Saint. Ô main invisible, Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Tu convaincs du péché, tu convaincs de justice, tu convaincs de jugement. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit visite, Saint-Esprit, oh Père. Seigneur, la distance n'a pas de barrière pour toi. Seigneur, qu'est-ce qui est même une barrière pour toi? Oh Dieu, Seigneur ce soir, Seigneur ce matin, Seigneur cette nuit, selon au Dieu de gloire, Père éternel, Seigneur je prie. Que tu touches ce cœur égaré. Seigneur, c'est toi qui nous ramène à toi. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui nous donne la force. Parce qu'il est écrit que toi, tu crées le vouloir et le faire dans les cœurs, selon ton bon plaisir, Seigneur. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Père éternel? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est pour cela, Père, je prie. C'est pour cela, Père, je prie. Que tu donnes, ô Dieu de gloire, la force de prier à cette femme qui s'est arrêtée. Que tu donnes la force de prier à cet homme qui s'est arrêté de prier. Que tu donnes la force de prier à ce jeune homme, à cette jeune fille qui s'est un temps soit peu découragée. Ah Seigneur, c'est toi qui attires. Papa, c'est toi qui attires. Nul ne vient à toi sans que toi tu attires. Ô Dieu, Seigneur, établis la connexion. Seigneur, c'est toi qui permets toutes choses. Oui, Seigneur, rien n'arrive sans que toi tu ne permettes. C'est pour cela, Père, je crie à toi. C'est pour cela, Père, je m'identifie, ô Dieu de gloire, à ces brebis égarés. Je m'identifie, ô Dieu de gloire, à tous ceux qui sont sortis de la bergerie. Ô toi, le bon berger. Ah, Seigneur, tu es un Dieu riche en pitié. Tu es un Dieu riche en compassion. Tu es un Dieu riche en miséricorde. Ah, Seigneur, fais compassion. Ah, Seigneur. Déverse ta miséricorde. Ah Seigneur, déverse, ô Dieu de gloire, ton onction. Ô Dieu, Seigneur, nous n'avons pas de mots, mais c'est toi. C'est toi seul, ô Dieu de gloire, c'est sur toi que nous regardons. C'est de toi nous vient le véritable secours. C'est pour cela, Papa, je crie à toi. Je m'identifie, ô Dieu de gloire, à cette femme. Je m'identifie, ô Dieu de gloire, à cet homme. Seigneur, je m'identifie à cette famille. Et Seigneur, je dis, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, parce que toi seul, ô Dieu de gloire, c'est toi qui peux nous relever. C'est toi qui nous relève, Seigneur. C'est toi qui nous relève, Seigneur. Parce que tu dis, quelqu'un peut-il tomber sans se relever, Seigneur? Mais toi, c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui dis, ouvre la bouche, je mettrai les mots. Ose, ah Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Établis ton règne, Seigneur. Établis ton règne, Seigneur, dans cette famille. Seigneur, je n'oublie pas la nation. Seigneur, je n'oublie pas le Gabon.
Ah Seigneur, aie pitié. Ah Seigneur, répands ta grâce. Ah Seigneur, tu dis que si, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu dis que là le péché, là où le péché surabonde, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Oh Dieu, Seigneur, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde dans ma nation. Que ta grâce surabonde dans mon pays. Que ta grâce surabonde dans mon continent. Que ta grâce surabonde dans les autres continents. Ah Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de t'appartenir. De ne compter que sur toi. Toi le véritable rocher. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois encore, ô Dieu de gloire, élevé au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous voulons vous savoir avec nous. Nous voulons que vous deveniez, que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Parce que la prière, n'oubliez pas, c'est une arme redoutable. Et c'est sur ces mots que nous vous disons Shalom.